Gloire à Dieu. Je m'appelle Balou, c'est Marie-Paul. Je faisais le discours, c'est Gelou Mali. J'ai deux témoignages. Témoignage de l'année 1, dans 2021. Quand j'étais venu ici, c'était ma première fois. Et je priais pour moi. Un jour, papa a dit, toi, tu es venu ici, tu ne vois pas quelqu'un de ta famille ici. C'est toi, tu as prié pour ta famille, tu as demandé pardon pour ta famille. Et je dis, ah, moi aussi, je suis souffrant, il n'est pas encore venu pour moi. Et puis, il a fait tout ça là. Donc, c'est là, quand il a dit tout ça, je me suis levé à 1 heure. Et puis, j'ai commencé à supplier Dieu pour ma famille. Quand j'ai prié, j'ai prié, à terre même traîné, puis j'ai supplié Dieu. Dès que je suis allé me coucher, je suis parti dans mon village, je vois un homme qui est venu, il avait ciseaux dans sa main, et il coupait les cheveux de mes petits frères, nos enfants, et je suis arrêté et demain que ça c'est quoi ça là? Et il y a un voix qui m'a dit, mais c'est leur gloire qu'il a train d'enlever. Frère, je suis fâché. J'ai arraché ces ciseaux dans ta main. Ses cheveux étaient longs, tressés, longs. Et j'ai tout coupé ses cheveux. Quand j'ai tout coupé ses cheveux, elle a commencé à pleurer. Et puis elle est partie. Elle est partie et puis je me suis réveillée. J'ai appelé ma grand-sœur et dit, voilà ce que j'ai fait. Quand ma grand-sœur est venue, elle a donné sa vie à Dieu. Maintenant, quand elle est venue, elle a donné ma fille, quand la croix est venue, on s'en va. Ma fille qui est gula, elle est pelle. Elle est venue, elle a donné sa vie, elle a laissé elle a donné sa vie à Dieu. Et c'est là, mes parents ont commencé à donner sa vie à Dieu jusqu'à aujourd'hui. On est 5 personnes à CMCI. Ce n'est pas resté là encore, je dis, ah, il n'y a pas BBC. Donc j'ai commencé à supplier Dieu. Et quand on était à la prière ici, nos 4 enfants ont eu BBC cette année. J'ai dit merci au Seigneur. C'est tout ce qu'il a fait. Et deuxième fait, papa a dit, on n'a qu'à prier pour Marie-Denis. Frère, je vous l'ai dit, c'est Marie-Denis m'a fatigué. Des fois, même, je ne me vois pas, mais je vois sa présence comme ça. Mais quand je me lève, je sais qu'elle est sortie avec quelqu'un. Et quand papa a dit, on n'a qu'à prier, on a prié. La nuit, on a pris ce le feu là, et puis on a prié dessus. Je me couche, un petit derrière, vinaigre, monsieur. Faut rentrer ici, viens aller se coucher. Et puis je le suis. Maintenant, je vois mon petit frère et sa femme qui étaient arrêtés avec ses enfants. Et je me dis, mais Jésus m'a donné le pouvoir, non? Et puis lui là, je dis, hé, voilà! Quand j'ai cru qu'il a disparu, Jésus, merci au Seigneur qu'il m'a délivré de Marie-Denis. Que son nom soit griffé au nom de Jésus. Amen! Amen! Autorité. Autorité.